Alors le matin en général, j'ouvre mes volets, puis après je vais me recoucher, voilà, pour prendre le temps de me réveiller. Et je check évidemment les réseaux sociaux, donc Instagram particulièrement. Donc 5 minutes après que je sois réveillée, je vais ouvrir le reste des volets de la maison. Donc maintenant, place au petit-déj. Donc en général, je prends un jus de fruits, parfois avec du lait chocolaté et une tartine, enfin ça dépend vraiment, ça dépend des jours, soit des fois un yaourt, une compote. Ensuite, le temps de la toilette, donc le brossage des dents, et là donc je prends ma douche évidemment et je me lave la tête. Donc voilà, je vous montre un peu tous les produits que j'utilise. Qui dit lavage de tête dit sèche-cheveux dit brushing, puisque c'est comme ça que je me les sèche, je me fais toujours un brushing ou alors je me les laisse boucler. Et enfin l'étape finale de cette morning routine, le maquillage, puisque je me maquille pratiquement tous les jours. Donc là j'ai utilisé la Naked 3 que j'ai récemment acquis, on va dire. Donc voilà, le fond de teint, l'anti-cerne, les produits seront répertoriés en barre d'infos, quoi qu'il en soit. Donc là j'utilise la Naked 3, mais c'est pas tout le temps elle que je prends, j'alterne en fait entre, on a les 3 Naked, donc j'alterne entre ces 3 palettes, sinon une palette de Too Faced, la Cat Eyes. J'ai appliqué mon eyeliner, donc c'est un eyeliner gel de chez ELF en teinte noire qui est vraiment génial. Et là, je m'applique le mascara de chez Yves Rocher, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais bon, il est assez connu et il est vraiment pas mal du tout.
Donc là, je m'applique un crayon à lèvres qui vient de chez Kiko, donc un rose framboise, et je vais venir appliquer par la suite le nouveau rouge à lèvres que je vous ai présenté dans le tag des rouges à lèvres. Donc c'est celui qui vient de chez Kiko en teinte 05. Et on termine avec la tenue du jour. Donc là, j'ai mis un petit t-shirt qui vient de chez H&M, sous mon tel blanc, et un jean clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Ciao!